Bonsoir tout le monde, votre merci encore pour être venu dans cet événement. Je me représente, je m'appelle Alain Dombé. My name is Alain Dombé. So I'd like to welcome all of you to this wonderful event. So now this time is to, we would like to introduce the groom, the bride's family. And I just wanted to ask every single person to stand up. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour une minute, afin de recevoir la famille de la femme, de Nadine. Maintenant, le tour de la famille de Nadine.
maintenant vient l'heure de l'introduction des parrains Omotamboa et la chanson Omotamboa. Toi-même, tu le sais. Voilà. Les parrains. Nous allons introduire les 7 coudes, les couples. Voilà. Voici le deuxième couple maintenant.
Apple number 4. Yay! Mr. Bunny, 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 Mr. Bunny,
Everything too short, but not sure I do. You stop when you look at with time. You stop when you want to ease your mind. Bye.
was it even just me? But even you must say you, you got love for me. Mesdames et messieurs, merci. Et avec un sentiment d'un parent qui a bien accompli sa mission, je vais parler au nom de la famille de Nadine. J'ai entendu parler et ils ont fait parler leur cœur.
et je n'aurai pas assez de mots pour aller dans le sens de ce qu'ils ont dit pour les confirmer. Tu sais, au commencement, il n'y avait pas la Bible, mais au commencement, il y avait mon grand frère Andy Kayoka aux États-Unis, que j'aimerais qu'il se mette debout. Et il y avait un grand frère, un autre grand frère de localement. Oui, tout a commencé par là. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés où il y a une grande famille. Et cela me fait regarder en arrière et je peux voir combien Dieu est grand. Et là, je vais vous parler un petit peu de Nadine. Nadine vient d'une très très grande famille. Il a 6-5 sœurs derrière elle. Elle est fille aînée. Et derrière les 5 filles, il y a 3 beaux garçons. Et il vient des millions de papas d'Arcis Gaï et de maman Denise Katumbaï, qui sont tous en vie et qui sont mariés il y a plus de 26 ans. Et c'est vraiment un réel plaisir de voir Nadine se marier. De se marier par la grande porte. Et j'ai raison de dire que ce que Dieu peut faire peut dépasser la grandeur des hommes. Parce que Nadine, que vous voyez, a pu faire 10 ans jour pour jour allant à l'ambassade des États-Unis et ayant des échecs. Et cela, par la prière, sa prière et nos prières, Dieu nous ouvra les portes. Et il nous rejoindra ici en 2008. Et comme il est l'aîné de la famille, nous avons, comme tous parents, nous avons des rêves. Nous comptions pour aussi rêves. Nous voulions qu'elle soit une guide, une inspiratrice pour ceux qui sont derrière elle. Nous comptions qu'elle ait des diplômes et cela étant, elle a aussitôt rejoint le collège où elle était embarquée dans la formation d'infirmière et c'est depuis 2018. En 2021, il nous présentera Papa David. Et c'était difficile pour un parent, parce que, en fait, nous voulions qu'il y ait des diplômes en amont du mariage. Mais Papa David, en le grand parlant, il était si convaincant et que j'ai trouvé qu'il le fallait. Il fallait qu'il soit accompagné et le temps était arrivé. C'est ainsi que ça a pu prendre du temps. Nous, les deux familles se sont rendues dans le processus de mariage coutumier et tout était fait. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et ce que j'aimerais dire à Papa David, Papa David, je sais que tu es assez mature et que le mariage reste toujours un défi. Et là, je vais écouter un écrivain qui a dit que le mariage, un écrivain qui a dit qu'avec un grand amour, les mots les trop lourds, qui semblent trop lourds à porter peuvent être légers. Ce qui a jusqu'ici, vous avez fait preuve de beaucoup d'amour et sûrement vous en avez parlé. Et nous sommes convaincus que vous ferez un bon couple. Tout ce que je vais vous demander, c'est que il n'y a que la prière qui peut garder l'effet de votre amour animé. Vous pouvez tout faire, mais sans la prière, avec les mots, avec les défis, avec les circonstances négatives, votre détermination peut ternir. Mais avec la prière,
le feu de l'amour sera toujours allumé. Et je vous dis, welcome à la grande famille Katumbai, et qui vous aime bien. Et je sais que Nadine était la fille aînée, mais aujourd'hui, nous comprenons c'est quoi. Nous trouvons en toi le fils aîné et que nous te donnons le bâton. Nous sommes là pour toi et welcome. Et Dieu vous remercie. Et vous remercie. Voilà. Bénie de David, excusez-moi, je suis marié avec la sœur de David et ma femme s'appelle Ornella, cette belle femme que vous voyez là-bas. Alors, nous sommes arrivés autour de la famille de David. Nous désirons inviter le révérend pasteur Fidel Kazabi. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Je me sens vraiment humble de me tenir en ce soir pour parler en qualité du parent de David Ilungantengu. David Ilungantengu est un jeune homme que j'ai eu à découvrir. Et il vient d'une grande famille qui ne cesse de m'étonner jusqu'en ces jours. Et chaque jour qui passe, il y a des révélations. Et aujourd'hui, ce soir, vous allez encore voir. Ornella, je voudrais te voir. La révélation de la famille de David, c'est Ornella. C'est pourquoi on a invité Ornella à parler. David, je voudrais, avant que je ne parle de quoi que ce soit, prendre une minute pour penser à celui qui m'a introduit à toi. C'est le feu Jean-Pierre Tengu. Un homme que j'ai respecté, un homme que j'ai admiré. Et c'est lui qui a fait de toi l'homme que tu es devenu aujourd'hui. C'était un homme que tout le monde admirait. Et que ce que tu nous représentes ce soir, je lui dois beaucoup. Parce que c'est lui qui t'a conduit à être ce que tu es. Avant que je ne continue, je voudrais dire aux gens ce que moi je connais de toi. Et ce que je voudrais que tu continues à démontrer pendant que tu es avec Nadine. Je connais le jeune homme David, un homme très intelligent et très sage. Si tu ne le sais pas, tu m'as marqué à mon mariage en Afrique du Sud. Peut-être que tu ne pouvais pas le croire. Tu as présenté les choses avec une finesse et une sagesse telle que dans la salle, tout le monde avait compris que le mariage était important. Et aujourd'hui, je te remets le même bâton. Je voudrais te faire voir que le mariage dans lequel tu t'engages aujourd'hui est une aventure. Et dans cette aventure, il y a les épines et il y a des pétales. C'est comme une fleur. La beauté d'une fleur réside non seulement dans le pétale, mais ça réside aussi dans les épines qui accompagnent la rose. C'est ça le mariage. Donc, aujourd'hui nous sommes venus ici pour t'accompagner.
Alors que tu entres dans cette aventure, réalise que tu viens prendre de la famille, c'est Katumbay, ok? Tu viens prendre la rose de la famille Katumbay. Et tu ne prends pas la rose tout seul, tu amènes avec toi toute ta famille pour prendre cette rose. Donc réalise la responsabilité qui est la tienne alors que tu prends cette rose. Tu représentes toute ta famille. Tu représentes tes parents, tu représentes tes frères et sœurs, et moi particulièrement, je te rappelle, tu représentes Jean-Pierre Tengo. Garde ça à l'esprit. Et on te donne aujourd'hui, Nadine, c'est une feuille blanche qu'on te donne sur laquelle tu dois graver ce que tu veux. Elle cesse d'être Nadine Katumbay, elle devient Nadine Ilunga Ntengo. Fais d'elle la femme que tu veux qu'elle soit. Moi, ce que je peux te dire, c'est que la famille est très heureuse de recevoir Nadine dans la famille. Nadine, tu es la bienvenue. Et sois une bénédiction pour nous. Et pour vous accompagner dans cette aventure, je sais que tu es un bon lecteur. Tu as lu tous les livres dans ma bibliothèque, dans le peu de temps que tu as passé avec moi. Mais aujourd'hui, je t'amène un livre peut-être que tu n'avais pas lu. C'est un livre qui était intitulé « Family First ». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu deviens le responsable d'une famille. Je voudrais que tu lises ce livre. Parce qu'il va te montrer les différentes étapes qui nécessitent pour devenir une famille stable. Je te donne en plus une autre Bible. Mais la Bible que moi je te donne est intitulée One Year Bible. C'est pour te dire que tous les jours de l'année que cette Bible conduise tes pas. Est-ce qu'on peut m'amener mes livres qui sont là? Ce sont des bons cadeaux que moi je trouve à te donner. Je peux te donner l'argent, tu vas gaspiller. Mais je te donne ces livres parce qu'ils resteront à jamais sur votre table. Donc, vous avez là la Bible et vous avez le livre Family First. Ils sont dans ces boîtes. Et à toi, Nadine, je te donne ce bloc-notes. Le bloc-notes est intitulé Love. Que chaque jour de ta vie, que tu mentionnes le I love you à David. Pendant les 366 jours, que tu aies un I love you. C'est à toi. Et enfin, David. Le pasteur Alexis l'avait dit. Mettez Dieu au milieu de votre famille. Et c'est pourquoi je te donne ce bloc-notes. Que dans la joie ou que dans la tristesse, que tu lises l'intitulé de ce bloc-notes, il dit « God is my strength ». Que Dieu soit une tour forte pour votre famille. Comptez sur lui et comptez avec lui. Si vous voulez vraiment aller loin et réaliser le succès dans la vie, mettez Dieu au centre de votre famille. C'est le plus meilleur cadeau que la famille vous offre. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Nous bénissons votre mariage. Nous bénissons tout le monde qui vous bénisse. Et nous nous érigeons contre quiconque s'élèverait
pour chercher à détruire votre mariage. Que Dieu marche avec vous et que le ciel ouvre toutes les écluses pour déverser les bénédictions et l'onction qui peut acheter ce que l'argent ne peut pas acheter. Toutes les bonnes chances pour votre couple et que vous alliez de l'avant. Nous sommes là pour vous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Avec vos applaudissements, c'est le révérend pasteur Fidel Kazadi. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un moment où nous allons voir les enfants. Pendant que nous mangeons, nous allons voir les enfants faire une démonstration. DJ, à toi. Thank you.
Mesdames et messieurs, avec sous vos applaudissements, s'il vous plaît, applaudissons quand même pour les enfants. Applaudissons quand même pour les enfants. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à un moment de divertissement dans lequel je vais demander au beau David Ntengu Ilunga de se lever. David, tu... Femme, David, tu vas prendre ta femme et tu vas aller au centre du dance floor. On a quelques questions à vous poser. Merci beaucoup. Je vais aussi demander à ma charmante femme de venir près de moi. Chérie, chérie. Yes. Viens près de ton mari. To Silisa Makambo. Alors David et Nadine, on vous a invité pour cette étape du mariage afin de vous poser quelques questions qui sont très 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 pertinentes pour toutes nos familles. Quelque chose, c'est une étape dans laquelle nous désirons que vous soyez vraiment relax, sans stress. Hein? Oubliez que, donc, comme je sais que tu viens de manger, donc je sais que vous allez répondre à nos questions très 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 bien. Chérie? Je suis là. Ok. Je veux que tu laisses David et sa femme s'occuper d'eux-mêmes. Ok. Alors viens. C'est Mais toi qui as créé ce jeu. Parce que je vous connais très bien vous deux. Donc soyez honnête. Ok. Alors, qu'est-ce que tu avais prévu pour eux comme question? Je voulais tester leur honnêteté d'abord. L'honnêteté. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Vas-y. Vous êtes prêts? Ok. So, ma première question sera vous mettez le mot first. David, the first move. Je confirme. Donc, attendez. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ma chérie a demandé ceci. Alingala, nani alingaki moninga liboso. Entre vous deux, c'est qui avait fait ce move? Ah, David, tu es sûr? Nadine, tu es sûr? Non, mais moi je pensais que c'était toi qui avais fait le move. Ok, d'accord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit que c'est vrai ici. Y a-t-il une personne qui croit que c'est vrai? Les vœux d'aujourd'hui le confirment. Ça le confirme, hein? Oui, oui. D'accord. C'est un poète affirmé. D'accord, merci beaucoup. Tu as une deuxième question? Ok. Who's the most romantic? C'est qui entre vous qui est le plus romantique? Donc c'est David encore. Ah! Donc 2-0. Nadine, tout le monde faut gagner. Hein? Vraiment, vraiment. Très, très bien. Ok, la troisième question que je veux poser, je vais le poser en français. C'est qui parmi vous deux qui a l'habitude de donner les meilleurs cadeaux? C'est qui donne les meilleurs cadeaux? Oh, Nadine, Somebody tu es sérieuse. On a juste besoin d'une personne seule, d'une seule personne. Donc, c'est vous deux. David, okay. Je fais la même chose. Ok, on applaudit quand même, hein? On applaudit quand même pour Nadine, non? Oh là là. Alors ma deuxième question serait, qui était la première personne à initier un baiser? Dans le bisexté, hein? Bilo a privé, Bilo a bamik. S'il vous plaît. Baiser. Ok. David. Je confirme. Donc toujours toi. Donc 3-1 quoi. Mais comment? Applaudissons quand même pour David, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Chérie, à toi. Okay. So who initiated the first date? Oh là là, Nadine. Nadine. 4-1. 0.5. Vraiment. 0.5. Oh là 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 là. Bon, applaudissons quand même pour David. Applaudissons, s'il vous plaît. Ok. Ok. Mais pour la prochaine question, je sais que Nadine, tu as un point. Ça, c'est sûr. Who's the better cook? David encore. Oh, c'est Nadine. Bah, applaudissons quand même pour Nadine. Donc, ce qu'on veut demander, c'est qui est la personne qui prépare la meilleure. Et apparemment, c'est Nadine. Voilà. À toi le point. L'autre question que j'ai prévue pour toi, c'est entre vous deux, quelle est la personne qui se lève le plus tôt? Quelle est la personne qui se lève la plus tôt ou le plus tôt? David encore. Encore un autre point pour David. Félicitations à toi, David. Je vais passer à la prochaine question. C'est qui d'entre... Ok. Je pense que ça, c'est... Je ne sais pas si j'ai envie de poser cette question. Parce qu'apparemment, ça pèse un peu. Hein, hein David? Ça va un peu peser, mais j'espère que tu es prêt. La question que je vais poser, c'est... Qui d'entre vous dépense la plus pour maintenir votre relation? C'est laquelle? Qui d'entre vous dépense... Ça, c'est la seule question, j'espère que tu vas échouer. Nadine. Mm-hmm. Nadine, hein? Bon, on applaudit quand même pour Nadine, quoi. On applaudit pour Nadine. Nadine, très bien. Il faut vraiment dépenser pour ton mari. C'est très, très important. Nous, on aime ça. Ça nous aide. OK, entre vous, quelle est la personne qui conduit la plus... Quelle est la personne qui conduit le meilleur? Qui conduit mieux que l'autre? David encore? Non, moi, je sais que David n'est pas un bon conducteur, sincèrement. Tu te souviens quand elle était venue à Charlotte? La manière dont elle conduisait. J'ai même refusé de lui donner ma voiture. Hein. Tu te souviens, non? Je me souviens très bien. Ça veut dire que Nadine est pire. Nadine est pire. C'est vrai? Pire. Oh là là là. Tu sais, hier, je suis entré dans la voiture de Nadine. J'ai dit, mais non, ça me rappelle d'Ornella. David, tu te souviens, non? Oh là 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 là. Vraiment, félicitations à toi, David. Alors, chérie, à toi. Ok. Qui est le meilleur dans ce rendez-vous? Oh, David Lissoussoudon, 7 à 0, 7 à 1, 7 à 3. Mais vous allez prouver ça ce soir. Vous allez prouver ça ce soir. Non, David, hein? David, on a dit pour Nadine, s'il vous plaît. On applaudit pour le couple, les bons danseurs. Ok. Question où on a reposé, on a l'ingala. Ok? Pour Bisonion Stoyo Katenza. Entre David Nanadine, Nanya Yokakate. Ceux qui ont PC conseil, Nanya Yokakate. David, hein? Ah, donc vraiment, Tobet Mabo, David, t'es pardon. Nadine Maboko. Et moi, je confirme. Et la prochaine question, c'est. Et je sais déjà qui va gagner celle-ci. Qui est la plus ou le plus patient? Oh, vraiment, Nadine. Non, ça, cette question-là, ça te fait gagner. C'est clair. Ça te fait gagner tout le game. Vraiment. Parce que ceux qui m'ont croyé au karaté, l'autre doit être patient. Mm-hmm. Donc, elle est patient. Mm-hmm. Félicitations à toi. La prochaine question, c'est who say I love you first? Hey! Est-ce que c'est un solo? Vous avez dit ça au même moment, le même jour. David, moi je sais hein, que Ornella m'avait dit ça la première. C'est elle qui avait voulu qu'elle m'aimait le plus. Moi, puis preuve. Merci beaucoup, mon amour. Ok, la toute dernière question entre vous deux. Qui
et the funniest. Nadine? Ben, Nadine, applaudissons quand même pour Nadine. Applaudissons, s'il vous plaît. Et j'aimerais bien que nous puissions continuer à applaudir aussi pour le couple. C'était notre toute dernière question. On va demander au couple de retourner à votre place. Merci beaucoup. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous les dirons aussi, I'd like to ask the hall to reduce the lights, okay? For, because this moment is the first romantic gesture in front of the whole family. It's the first dance of the bride and groom. David et Nadine, j'aimerais bien que vous entrez dans la piste. DJ, à toi, merci. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
le marié et la mariée vont s'asseoir, nous allons demander au best man, le bris, avec the groom's, how do you call that? The bridesmaid, ami, de s'approcher pour faire le toast. Dans les bris, et Amy, si vous êtes prêts. Amy, are you ready? Okay, we need you guys to be around to do your toast. Thank you. So, who do we need to start with? Okay, so, Lebris, we're going to start with you. Thank you. Je parlerai en français. Et sûrement, ça sera interprété. Bonsoir. Je suis très honoré d'être le best man de David. Je ne vais pas aller avec beaucoup d'histoires. On a une longue histoire avec David. Une histoire qui remonte à 22 ans. On s'est connus, on était trop jeunes. Je ne vais pas mentionner l'âge, sinon vous risquez de calculer. Alors, moi et David, on est un peu comme chien et chat, je pourrais dire ça. On ne se met jamais d'accord. Et même pour être son best man, j'étais le dernier à apprendre ça. Il a appelé tous les potes et m'a appelé les derniers avec 6 heures de décalage pour me dire « Man, je crois que je suis amoureux. » Alors je lui dis « À 2 heures du matin, tu me déroges pour me dire que tu es amoureux. » Il dit « Non, écoute, je suis amoureux. » Je dis « Ok, tu es amoureux. » Et après, oh, je vais me marier. J'ai dit, ok, j'espère que tu paieras mon sommeil. Alors, je me suis mis à écouter David. Il a commencé à parler de Nadine, comment il vantait Nadine et tout, et tout, et tout. Après, je lui ai dit, ok, vu que tu m'appelles tard la nuit, tu n'as pas respecté les décalages horaires, alors je serai le best man. Il ne m'a pas choisi. Vous voyez? Il ne m'a pas choisi. Je me suis imposé best man. Il dit, non, mais toi, comme mon best man, ça marche pas. Alors, j'ai dit, je serai le best man et les autres vont juste suivre. Alors, mes amis ne sont pas ici présents. Je représente tous les amis ici. Les autres avec qui on a une longue année d'amitié qu'on apprécie. Pour la petite histoire, je viens un peu de très loin. J'ai traversé l'Atlantique pour venir honorer mon ami. Mon ami avec qui on ne s'est jamais d'accord, je précise. Hein. On s'est connus dans les années 2000. Un grand provocateur, peut-être que vous n'avez pas remarqué. Il n'arrêtait jamais de me provoquer. Et si je vous dis que je n'ai pas voulu lui donner un coup de poing, je serais un menteur. Nadine, excuse-moi pour ça. Alors, après, on s'est séparés, on s'est retrouvés encore en Afrique du Sud. On change des pays comme ça, nous. On s'est retrouvé en Afrique du Sud et on a passé des moments compliqués. J'ai eu mon travail en Europe et personne ne croyait en moi. Tous les amis découragés. Alors pour couronner tout, ils ont appelé David pour que David me parle, le grand opposant. Alors David commence à me décourager, je regarde le mec. Je me suis dit, ce gars ici ne comprend rien. Et j'ai fait toutes mes démarches et à la fin, il m'a raccompagné à l'aéroport. Il était parmi les gens qui m'ont raccompagné à l'aéroport. Et il m'a dit que, tu sais, je ne crois jamais en toi et on ne va jamais se mettre d'accord. J'ai dit, ça je sais, mais je respecte qui tu es. J'ai dit, je respecte qui tu es aussi. Et aujourd'hui, je suis content. On a... qui s'est marié, je partage sa joie. Et c'est un honneur pour moi, non seulement d'être le best man, mais aussi de représenter tous nos amis qui ne sont pas venus sur place. Alors, je dirais un petit message à ma nouvelle belle-sœur et mon amie aussi, Nadine. Bienvenue dans la famille. Je suis très content, très honoré. Tu ne me connaissais pas, ok, parmi les amis, tu m'as connu peut-être les derniers, je crois, dans l'appel vidéo.
Tu allais me rater dans l'appel vidéo parce qu'ils étaient en train de me provoquer. Comme tu le sais, à chaque fois que David appelle, c'est « Homme de Dieu, tu te maries quand ?» Et il a commencé ça depuis des années. On est très contents. Tous les amis sont contents. Ils ont envoyé leurs félicitations, leurs cadeaux aussi. Ils sont normalement devaient faire un appel vidéo pour qu'ils puissent voir, mais c'est une longue histoire. Ils verront des vidéos, on ne va pas gâcher la surprise. On vous souhaite que du bonheur et vivez heureux. Faites des jumeaux ou à la coutume congolaise, Bopé Sangandoi. I think I'm gonna... Nazui déjà? Ah, vous êtes ok, hein? Nazui. Ok, I'm gonna invite Annie to try to speak with me here. Annie? Mushia, Mushia. Mushia, wetu. Munjimbipa. Anyways, I'm gonna go back to English because that's what I know best. So, I've been testing them for the last, 9 months. Yes? And today, I'm gonna share what I tested them on and their answers. Libris, yes. Hold my cell phone and my drink. Okay. I don't want to share no secrets, okay? But this one I have to share with everybody because it's a testimony from God. It's a prayer that you ask to receive. In this moment, we're living in the living word. Okay? Okay. Hold on. Labrice, I'm just kidding. I need my notes. Okay. Are they ready? Are you ready? Okay. Is everybody ready? Yeah. No. Is everybody ready? Yeah. Okay, let me try one more time. David, unjimbimpa. Okay. Nadine, when you met David, did your heart beat a certain way? Hold on. Nadine, when you met David, did your heart beat a certain way? Yes. Okay. That's question number one. Because when David met you, his heart beat a certain way. Okay. How? Number two. You said how? Yeah. Oh. David told me that he was going to have a heart attack when he saw Nadine. Ooh. And if Nadine didn't have a heart attack, it's not love. You had peace? What did peace feel like? You know what? I'm gonna share it. Because my sister, she's been through a lot. And today is a day that the Lord has made. Did you guys hear it? I don't think everybody's listening. Today is the day that the Lord has made. We are rejoicing and we're living in it. We're celebrating. Anyways, let me speed up because I feel like time is precious here. Okay, God is good. Not David, Labrice, God is good. All the time. Yes, he is, amen. And today we have the privilege of witnessing the love that he has promised you. Like I said, it's a testimony. He didn't lie. Yeah, he didn't lie. Ah. She can't stop smiling. He can't stop smiling. You can't stop laughing. But let me get to the speech. In the last few months that you allowed me to get to know you, David, it has been my pleasure because some people come into families and they don't want to get to know the family. But you have allowed me to get to know you without Nadine. And because of that, I appreciate that because I get to see you as not only as her fiance, but my brother. And like I told you, everybody that I call my brother, I'm their keeper. And from this day on, you made a vow to Nadine to take on her problems,
take on her struggles. I'm going to take on whatever you need me to take on as your sister, okay? Yes. But like I said, I've never been in love, so I don't know what that feels like. But to see love from you guys, I can only imagine it as something so precious, like a gift from God that I hope to experience one day. And I just want to say thank you for letting me see the love that you have for each other. It's been stressful planning a wedding. I never plan a wedding. I don't even like talking. But I'm going to talk because you're my older sister, and I love you so much. I love you so much. And I love you too, David, because now you're my older brother. And I just want to wish you guys the healthiest, the blessed, the most prosperous marriage that there could be. I hope that you continue to laugh and enjoy each other's friendship, enjoy each other's laughter, time, and just continue to keep the happiness that has allowed you guys to, you know, create. So, with that being said, to shorten my speech, because it's long, LaBrice. Yes, madam. Let's give them a toast and let's finish this speech. Okay. Que tout le monde lève son verre à David et Nadine pour la grâce, les bénédictions et toutes les bonnes choses qui viendront. Alors, nous disons, on vous aime et on va vous accompagner dans cette nouvelle vie. Merci beaucoup. On vous aime. Vivant. MC. MC. We are done. Alors, merci, merci. Je demanderai cette étape. Je demanderai aux mariés et à la mariée d'entrer à la piste, ainsi que tous les groomsmen and grooms and bridesmaids, s'il vous plaît, entrer à la piste. Ils ont préparé une performance pour nous. Merci beaucoup. Thank you.
like a bomb. I shouldn't have looked. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît, d'entrer. Accompagnez le marié et la mariée. Merci beaucoup. I'm gonna make you mine.
and gentlemen, this is the next entrance of the bride and groom and the bridal party. Vous n'êtes pas obligé de quitter la piste, s'il vous plaît. Vous pouvez rester à la piste. Ils sont juste en train de faire une entrée. Merci beaucoup. Merci.
Thank you.
Okay.